allongé au sol. Vous ramenez le genou droit contre la poitrine. Vous attrapez le genou droit, puis faire ramener le genou vers la poitrine, on souffle. On inspire, on relâche. Faire des va-et-vient. Ce mouvement s'appelle le dieu des vents. Ça permet de bien détendre le bas du dos. Je souffle, je ramène. J'inspire, j'éloigne. Je garde mon genou contre la poitrine avec la main opposée. Je tourne la hanche pour faire une torsion couchée. Puis je regarde si c'est possible la main au sol. J'essaie de bien avoir mes omoplates collées au sol. On va sentir l'étirement en bas du dos et au niveau du fessier. Encore deux grandes respirations. Cherchez la détente. Lâchez toutes les tensions inutiles. Revenez tout doucement. Laissez glisser votre pied au sol. Changez de côté. Ramène le genou. Rapproche, je souffle. J'éloigne, j'inspire. Je souffle. J'éloigne, j'inspire. Je souffle, je ramène. J'éloigne, j'inspire. Pivote la hanche. Regarde du côté opposé. Venir tout doucement et laisser glisser le pied au sol, ressentir votre bassin dans le sol, votre bas du dos. Prenez un moment pour ressentir. Puis je fléchis le genou à droite, puis à gauche, les pieds en contact. Les bras s'ouvrent pour bien sentir que le sternum s'ouvre. Restez 5 respirations dans cette posture. Permet d'ouvrir le bassin. Si c'est trop difficile, vous placez des briques sous les genoux ou des petits coussins sous les genoux. Doucement les jambes allongées, laissez glisser pour la posture d'intégration, les bras le long du corps, paume de main face au ciel. Laissez relâcher tout votre corps, ressentir vos appuis dans le sol, ressentir votre respiration. Vous pouvez rester un petit peu plus longtemps dans cette posture. Moi, je vais me remonter en bougeant les orteils, en bougeant les doigts. Je ramène les genoux vers la poitrine. Je repousse les talons
je tourne mes orteils, mes poignets, mes mains et dans l'autre sens. Puis je secoue les pieds, les mollets, les cuisses. Faire circuler bien le sang au niveau des jambes. Tout secouer. Je plie mes genoux. On va rouler dans la position fœtus pour ne pas remonter trop vite. Y rester 2-3 respirations. Puis céder avec les coudes, les mains, se remonter toujours sur le côté. Puis se placer à nouveau en tailleur. Inspirez, étirez bien la colonne, sentir bien surtout le milieu du dos qui s'étire, l'alignement, et expirez, placez les mains en Nandya Indra. Puis je vous dis namasté, j'espère vous voir pour une autre vidéo avec moi de Pilates. À bientôt.